si vous avez interverti votre corps. D'accord, regardez là-bas. Sur quelle position tu pourras réceptionner? Oh putain. Là maintenant, si vous avez interné encore une fois vos esprits, ouais. D'accord, est-ce que, ouais, dans quelle position tu pourras le défoncer? Lui? Ah, je pense missionnaire. Ah ouais, tu l'as. Bah ouais. Si par exemple, vos corps est interverti, c'est-à-dire que, on va dire, chacun a une meuf, d'accord? Vous êtes dans l'esprit d'une meuf. De quelle position m'aurait bien vous faire défoncer? De manière, t'as pas de faire défoncer. Et toi? Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Ici, c'est Qualité D. Comme vous pouvez constater, je suis au musée du Louvre. Premier temps de liker. C'est-à-dire, regarde, tu as le pouce bleu là. Tu mets le pouce bleu. Commenter, partager dans tous tes réseaux par rapport à cette question. Donc, c'est une question simple. Je demande seulement à un couple ou des personnes de imaginer que leur corps soit qui devient une femme, c'est-à-dire l'esprit de l'homme est dans l'esprit de la femme, et dans le corps de la femme, et l'esprit de la femme vient dans le corps de l'homme. Je leur demande seulement, est-ce que, de quelle manière, elles aimeraient bien se... Voilà, je ne vais pas trop parler, mais vous avez compris. Donc, c'est-à-dire que l'homme maintenant va réceptionner et la femme va donner. Donc, n'oubliez pas de marquer un petit pouce bleu, de commenter et de partager dans tous vos réseaux sociaux. Merci, c'était Qualité D. Salut, ça va? Ouais, ça va, et toi? Ça va, tranquille, et toi? Oui, ça va, très bien. On est avec Aurélia. Et toi? Jeff. Quelle origine? Braza. Et toi? Comorienne. Allez, faites un petit coucou là-bas. Un petit coucou. Si vous avez interverti votre corps, d'accord, regardez là-bas. Sur quelle position tu pourras réceptionner? C'est pour moi. Ah bah oui. Viens ici. C'est pour moi. Ah bah oui, parce que maintenant t'es une femme. Et toi, sur quelle position tu pourras... Non, c'est pour toi aussi. Écoute. Et toi, sur quelle position tu pourras le défoncer? Oh putain. C'est la même chose. Comment je vais répondre? T'es une femme, c'est bon. Répondre. Oh. Vas-y, lance-toi. Non, la main catastrophique, c'est la classique. La classique, doggy style. Non. C'est quoi? Non, missionnaire, c'est missionnaire, la classique. Ouais, et toi? C'est toi l'homme. C'est toi l'homme. Là, t'es plus une femme. Là, c'est toi l'homme. Pas question piège. Bah oui. Non, c'est pour les deux. Parce qu'en fait, toi, tu vas réceptionner. Mais elle va donner. Mais toi, sur quelle position tu vas la défoncer? Après, c'est fini. Un doggy. Doggy style. Maman en aïe. Merci. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va tranquille et toi? Très bien. On est avec Junior. Et toi? Laurine. Quelle origine? Camerounaise. Et toi? Camerounaise aussi. Ok, fais un petit coucou là-bas. Fais un petit coucou. Toutes les deux. Si par exemple, vos corps est interverti, c'est-à-dire que, on va dire, chacun a une meuf, d'accord, ouais. Vous êtes dans l'esprit d'une meuf. Ouais. De quelle position m'aurait bien vous faire défoncer? Ah bah ouais, c'est ça. Vas-y, réponds, voilà, je réponds. Tu réponds, je réponds. De quelle manière tu pourrais réceptionner? De quelle manière t'as pas peur de faire défoncer? Et toi? Une meuf. Je connais pas les positions. Violation à domicile. Position. Bah vas-y, devant, par derrière, 6-9. Doggy style. Non, moi je sais pas. Soumission. Ah, UFC, soumission Kamas. Non, je veux pas soumission. Je veux dire. Soit par levrette ou. Vas-y, cousin. Vous êtes des meufs, c'est bon. Derrière. Ouais, pareil, hein. Derrière. Ouais. Donc, Doggy style. Ouais. Je sais pas, mais ouais. C'est derrière, fait après, à 4 potes. Ouais, vas-y. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, on est avec Béa. Béa? Béa. Béatrice? Non, Béa. Quelle origine? Française, sénégalaise, marocaine. Allez, fais un petit coucou là-bas. Fais un processus pour montrer ton outfit, s'il te plaît. Il a rien, mon outfit. C'est bien. Si t'as perverti ton corps avec ton mec. Ok. C'est-à-dire que toi, tu deviens une femme. Ok. Un homme. Et lui, il devient une femme. Ok. D'accord? Regarde, ouais, là-bas. Quelle est la meilleure position pour que tu puisses le défoncer? Ah, c'est pas toi, hein, c'est pas toi qui ressens, c'est lui qui ressent ça, parce que vu que toi t'es l'homme. Logiquement, rapproche-toi un tout petit peu s'il te plaît. Voilà. Quelle est la meilleure position
que tu vas le défoncer. La levrette en vrai. La levrette. Donc tu rêverais d'être un homme pour prendre une femme en levrette. Ouais. En vrai, c'est pour ça qu'on doit choisir, ouais. Ah ouais. Ouais. T'es sûr de toi? Ouais. Salut, ça va? Ça va super. Et toi? Ça va. On est avec Liam et Hugo. Tu es l'origine? Française. Algérienne. Faites un petit coucou là-bas. Si Dieu... Non, si vous avez interverti vos corps. Ouais. La question. De quelle manière t'aimerais bien le défoncer? Le défoncer à coup de poing ou à coup de bassin? Non, à coup de bassin. À coup de batte. Si on a échangé de corps? Ouais. C'est-à-dire que maintenant, c'est toi qui... Hein? Parce que je sais que c'est lui qui... Ah. D'accord. Voilà. Après, bon, il y a des a priori, on peut se tromper. Ouais. Hein, et vous êtes trompé, du coup. Ça... Oh, putain. Mais en soi, je crois que ça changerait pas non plus. Peut-être que j'essaierais d'être un peu plus violent. Déjà là, comme on est. Ah ouais? Ouais. Bah ouais, ça va, ça change pas en fait. Ça change. Chacun fait son truc de son côté. Pas de son côté, mais on intervertit, on. Voilà. D'accord. Salut, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, tranquille, on est avec. Ah, quel est ton prénom? Ah, Grâce, pardon. Quelle origine? Côte d'Ivoire. Quelle ethnie? BTA. Là maintenant, t'es l'homme, hein? Uh-huh. Quelle position tu pourrais te défoncer ton mec, ta meuf? Moi je connais pas ce genre de choses, hein. Mais non, franchement, je connais pas ce genre de choses. Mais là, c'est toi l'homme. Mais faut connaître, même si on est l'homme. Je connais pas ce genre de choses. Ouais, mais moi d'accord, toi t'aimerais bien le prendre comment? Par devant, par derrière, debout, le bas, je sais pas moi. 6-9, accroupi, looping, je sais pas moi. T'es l'homme, c'est toi l'homme. J'ai mes parents sur TikTok, hein. C'est pas grave, là, c'est imaginatif. C'est imaginatif, bon, on va dire debout, je sais pas. Debout comment? Ah, je sais pas, hein, je connais pas les positions. Oh, mais toi, tu réceptionnes, toi, tu sais pas comment. Non, mais debout, je sais pas, je connais pas les positions, c'est debout. D'accord, okay, c'est bon, merci. Salut, ça va? Ça va et toi? Ça va, tranquille, on est avec. Quel est ton prénom? Ah, Yovana, pardon. Comment? Ivanova? Yovana. Yovana, c'est un très joli prénom, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Ça, tu sais pas ce que ça veut dire? Allez, fais un petit coucou là-bas. T'es serbe, c'est ça? C'est ça. Où ça? Je suis de Svilajnac. Là, maintenant, si vous avez interne encore une fois vos esprits, ouais. D'accord? Est-ce que, ouais, dans quelle position, tu pourras le défoncer? Lui? Ouais. Ah, je pense missionnaire. Ah ouais, direct. Bah ouais. Ah, ah d'accord. Ah non, ça veut dire que c'est la meilleure façon pour toi, en temps normal. Mais c'est ce que j'ai toujours dit. Et j'ai toujours dit à les gens, ils ne comprennent pas. C'est pas la levrette, hein. C'est la missionnaire qui fait en sorte que la femme, elle est bien. Est-ce que j'ai menti? Non, ça, je sais pas, ça dépend après. Mais toi, c'est quoi? Non, moi, je me mets en position de mec, je pense que... Ah, donc toi, c'est la missionnaire. Ouais. Pourquoi? Tu veux tester? Je sais pas, ouais. Ça te tenterait d'être un mec? Non, ça va, je suis bien en tant que fille. T'es bien en femme? Ouais. Salut, ça va? Salut, ça va bien? Ouais, ça va, on est avec. Avec Onbi. Quelle origine? Je suis français, allemand. Allez, fais un petit coucou là. Tu peux dire ce que tu fais comme ça en même temps? Moi, je fais des clips avec ma caméra, tout ça. J'ai travaillé Deliveroo, Uber, je me suis acheté ma caméra, mais aujourd'hui, je fais des clips et tout. Voilà, c'est ça. D'accord, si tu veux laisser pour les personnes qui sont intéressées pour faire tes clips. Ouais, Onbi, H-O-N-N-B-E-E. J'ai fait le clip de Fasco Flex, il est fort. J'ai fait, voilà, hein, il est fort parce qu'il va percer bientôt. Dis-moi, là, le corps, il est encore interverti. Ouais. Bon, maintenant, quelle est la meilleure position que tu pourras réceptionner, vu que t'es une meuf? Ah ouais, c'est chaud, ça. Ah non, je peux pas m'imaginer parce que là, en tant que moi-même, j'arrive pas à m'imaginer ça. Imagine. Mais, ah non, je peux pas. Mais si, tu dois dire, t'es une femme. Ah si, je suis une femme. Ouais. Bah, je vais dire la position que je préfère en tant qu'homme, hein, la levrette. Hein. Ah. Si, encore une fois, vous avez interverti votre corps, hein, ouais. Sur quelle position tu pourrais le défoncer? Mais si, tu es obligé de répondre. Non, parce que lui, il va réceptionner. C'est toi maintenant qui va... Sur quelle position, je dois quoi? Je sais pas. Franchement, mon papa risque de me voir dans ma main. Non, mais dis, c'est pas grave, c'est de la comédie. Je sais pas. Cristal, truc. Je sais pas moi. Je fais pas dans ce genre de choses. J'ai pas trop parlé de ça. Non, mais un petit truc. Devant, par derrière. Mais c'est toi l'homme maintenant. Non, c'est jamais l'homme. C'est jamais l'homme. Mais c'est là, c'est l'homme là. C'est jamais l'homme. Je sais pas. Non, vraiment là, j'ai pas de question. Bon, d'accord.